quand même. Allez, la femelle qui est sans jeu. You know what? Go back in position. Three in the wood, two other at right. Oh! Hey, no, what you do? And the big one's coming out now. Okay. To the baby one. You see him? He's got his head down. Yeah. Taking a step. Yeah, he move a little bit. He move. By the baby, don't be tense. Yeah, yeah. He's by the baby. Okay, perfect. I know who, which one. Need him to come left. Yeah. The baby come up. Yeah. Shit. Okay, when are you doing that? I'm gonna probably yell at him, get him to stop. Okay. Behind the tree. Ah, tree again. C'est stress total. Complètement fou ce qu'on vit présentement. On est en Colombie-Britannique. On vient de partir de Vancouver avec l'hélicoptère. On va vivre une expérience de fou cette semaine avec High Caliber Outfitter. Jamie, qui est le propriétaire de cette pourvoirie-là, nous accueille cette semaine pour la chef de montagne. La chef de montagne, c'est un défi physique, psychologique. Pourquoi? Bien, c'est en haute altitude. On fait de l'escalade pour aller récolter nos chèvres. Pierre-Claude, c'est un chasseur du Québec. C'est ta première expérience de la chef de montagne. C'est ma première expérience, puis je te remercie beaucoup, Mario, parce que l'opportunité qu'on a aujourd'hui de vivre tout ça, c'est une fois dans sa vie, puis on va en profiter au max. Mais là, entre-temps, avant d'aller à la chef de montagne, Denis, là, il veut nous faire des wow. À chaque fois qu'on se parle au téléphone, il dit, Mario, je vais te montrer des wow. Des wow, des wow, des wow. Puis écoute, c'est facile à comprendre, c'est quoi un wow? On en a vu tout le long en s'en venant. Hein? Les dessus de montagne avec la neige, d'un coup, il y a une falaise de l'autre côté. Là, ce n'est qu'un début. Denis, nos limites hélicoptères, c'est quoi dans le fond? C'est ta compagnie? C'est une compagnie qui se trouve à faire des voyages spécialisés, customisés pour des clients comme vous. OK. Parce que là, tu peux faire de la pêche, tu peux faire du ski, tu peux faire à peu près n'importe quoi, là, nos limites. Denis! Nos limites! Hey, on s'en va aux sources thermales! Là, c'est pas touristique, là. C'est vraiment sauvage. Ça prend l'hélicoptère ou les gens montent en canot ou en vélo de montagne. Il n'y a pas d'autre chemin. Fait qu'on est privilégié de faire ça. C'est incroyable, la dimension des arbres. Ce qui se passe? C'est du climbing, là. Là, on a commencé à faire déjà la première étape pour le chef de montagne. Oui. Hey, parce que rien que descendre là, c'est un mur qui est droit comme ça. Là. L'eau est à 38 degrés et elle sort de la roche à 55 degrés. On est le 1er novembre, non? On vit des affaires de fou, là. C'est complètement malade. OK, on saute dans l'eau. Il y a quelques saumons là-bas même. Oui. La question que je me suis posée, Mario, là. Dis-moi une place au monde que je peux être un pot avec l'eau transparente. Il y a des saumons de 15 à 20 livres là-dedans. À cause de toi, là. À côté de toi, avec un paysage de même. Hey, trop chaud pour moi, ça! Mais ça n'a pas de bon sens, hein? Ah! Je te dis, viens ici, là, la zone plus chaude, là, même. Ah, mais tu peux... Hey, tu peux même pas rentrer d'un coup là-dedans. Jamais donc quand on voit ça, là. Débile! Nice to meet you. Hi, Jimmy, Pierre-Claude. Pierre-Claude, the nickname is PC. PC. Our main target species is mountain goats. Okay. Yeah, we do very well with the mountain goats. A little cooler than normal right now, but that's okay. It makes their hair longer. Beautiful trophy. Okay. So early in the season, we have to hike into back basins and stuff and look for them. But this time of year, they're coming out to the front country, where they're wintering, and the rut will be beginning soon.
and we get the opportunity to see them and determine that's the one we want, to set up a stock, and go from there. Okay, and the name of male is Billy. Billy Goat. Billy, and Billy. The female is a nanny. Nanny, and then they're kids. Yeah. Okay. Yeah. I focus on body size. We look for good, mature animal. If he's 9-inch horns plus, great. If he breaks 10 inches, fantastic. Wow. I mean, they can be 400 pounds. Really? They can, a big mature goat will be 400 pounds. Wow. That's a big 400 pounds. I mean, any Billy Goat really is a great trophy. Yeah. I mean, we work hard for them. You see the mountains here. It's crazy. Yeah. So today you guys have shown up. We need to shoot your rifles, make sure it's good. And then we have that confidence in the rifle. Yeah. And have a good week. On est prêt pour demain. Très prêt même. Dans U-Force, il y a force brute et force vive. Rentabiliser vos jours de congé, c'est votre force. En groupe, en zone de repos, en bordure de terrain, en velours, durant le pré-rude et la chasse au panache. Votre prochain trophée vous fera signe quand il sera prêt. Avec la nouvelle Flex de SpyPoint, il est plus facile que jamais de faire votre prospection de chasse, où que vous soyez. La Flex de SpyPoint, disponible en magasin et en ligne. La vie est archi belle. Entouré de bons amis, dans un lieu qu'on adore. Verre à la main, saveur en bouche, chaleur au cœur. Le bonheur est simple quand la vie est Archibald Micro et Resto. Te rappelles-tu de la dernière fois où tu as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où tu as pris du temps juste pour toi? Ben avec Thomas Marine, suis ta vraie nature. Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Hi, Jimmy. Hello. Good morning. Good morning. We're having a good strategy today. Yeah. We're going to go look for those billies I was telling you about. I'd actually rather not have sunshine today. High clouds is good. Do you prefer when it's cloudy? Or? Yeah, high clouds. Yeah, it's easier for spotting.
Okay. Yeah, the sunlight can make it difficult, especially if you're looking into the sun, obviously, but it just makes too many shadows and stuff. It really helps this high clouds. Well, like this would be perfect. I think so, yeah, it's looking good. There's four billies up in this valley 2 days ago. So we looked for them earlier today, couldn't see them, but if we go to get a different angle, we should be able to find them. Moi, j'aime la manière que mon guide me parle. Il est tout le temps positif. Il est déjà venu ici, il est venu il y a 2 jours. Il en a tout le temps vu. Il en a 4. Il en a 2 potentiels pour nous autres. Puis là, il dit, il devrait être là. Fait que c'est tout le temps le positif. Il n'est jamais négatif à son affaire. Il nous a fait une solide job de repérage avant qu'on arrive ici, sérieux. Il y a le ravin qui est ici, d'environ 300 mètres. Il faut se tenir à gauche le plus possible pour être, à garder une certaine sécurité. Ouais, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on... quand on se met à marcher en montagne, il fait chaud. It's just the warm-up. That's the easy part. Just go glass there. I'm breaking you in. Yeah, right, buddy. Slowly. Yeah. On respire plus, là. L'avenir, quand Jamie va dire, on va faire une petite marche de 15-20 minutes. Amenez-vous du lunch pour 2 heures. Ça fait 5 km qu'on est parti, puis on n'a pas été 3 minutes sur le planche. Mario, il y a l'ange qui embarque aussi, là. Ouais, mais... My clothes is too hot. Mario, just get right over here. We should be able to see what we want. On est arrivé vraiment dans le sweet spot. On est arrivé sur un beau plateau, puis on a une vue sur la montagne que lui voulait. Là, on va essayer de trouver les chefs de montagne dans ça. C'est un petit peu un rêve qu'on vit là. On voit ça dans des films, puis là, on est en train de faire un film. I don't see them. No. No goats in this spot. They were here, but I can't find them now. So we go find some more, somewhere else. Maybe they are scared of your rifle, buddy. The area that High Caliber owns is about 100 square kilometers of mountain. So that's just, it's a lot of land. We've got a lot of valleys that we can get into access with vehicles or the ATVs. We've had clients from all over the world. And I can say for sure I've had hunters that have been everywhere, and I've put them on top of a mountain here, and they look out and they say, wow, this is the most beautiful place I've ever been. And that's a big compliment to us, and knowing that, because they've seen many things in many countries. It is gorgeous. Ouais, là, la tache blanche, hein. Must be that young one from yesterday. Yeah, he's young. Cette chèvre-là est à notre goût, est à son goût. La stratégie est simple. Oui. Ça a 1 kilomètre de haut. On fait le tour de la montagne ici à ma droite pour aller sur le top de cette montagne-là puis la tirer sur l'autre montagne.
Mais sa stratégie avant, là, ça me fait capoter. Là. Il veut passer par en arrière une route pour qu'on aille spotter d'en haut là-bas pour être sûr qu'il n'y en a pas d'autres plus bas que la chèvre qu'on vient de voir. Complètement un autre monde. On ne met pas ça souvent là, au Québec. Là. Non. Non, puis en même temps. Nulle part, c'est à terre. Si on arrive, on est pressé. Peu importe si on en roule ou pas, on ne peut pas être pressé. Je pense qu'on va vivre de quoi cette semaine. Ouais. Là. Puis le gars, c'est une machine. Là. Il n'arrête pas de penser. C'est bon. We are waiting for this big Billy to decide to lay down. And because once he lays down, he'll be laying there for 4 or 5 hours. So give us time for the stalk. So earlier in the season, it's very common. They just stay in the same spot and we have lots of time to make a stalk. But at this time, did the male need to have a nanny close? And... Yeah, it's getting to that time right now. We see the younger Billy is with that nanny and he's focused on her. And the older one, he's still up top. He'll wait and then kick the other one out. Yeah, probably, right? Just like the mule deer and the white-tailed deer. When he know the nanny is ready, he'll kick out the smaller one. Huh? That's right. That's what'll happen. All right. He just laid down. So. I will follow your call. It's your call. Let's start hiking. You know those mountains better than me. 1200 mètres, d'ici aller à où on va, il y a 1200 mètres, donc 1,2 km. On prétend de le faire en 3 heures peut-être. All right, I'm ready. Je suis prêt. Yes, on le fait. On le fait. Oui, on le fait, salut. Important dans ces moments-là, parce que c'est très, très abrupt. Vous voyez, puis le sol est friable. On peut pas se laisser emporter par nos idées, puis notre travail ou quoi que ce soit. Quand on est en montagne comme ça, là, le seul focus qu'on a, c'est de mettre les pieds aux bons endroits, s'assurer toujours d'une solidité, puis focusser sur ce qu'on fait. On peut pas perdre une seconde de concentration. Si vous perdez une seconde de concentration, vous vous retrouvez en bas. Puis en bas, ben c'est de valeur à dire, mais... Il n'y a pas de pardon, là. Regardez ma jambe, puis regardez mon genou. Imaginez-vous comment c'est abrupt, tout ça, là. Puis, Mario, je peux te dire de quoi? Moi, c'est la première fois que je fais une chasse, puis que je sens que je mets un peu ma vie en danger. C'est un pas de travers, puis tu déboules en bas, tu sais pas ce qui arrive. Prends ton temps, puis c'est... Chaque pied sécuritaire. À peine 600-700 mètres de montée. Il en reste 800. Il faut falloir être prudent. Il y avait déjà des chèvres qui nous surveillaient tantôt. Mais c'est pas ceux-là qu'on prend. C'est la grosse qui est sur le dessus là-bas. Là. Celle qu'on voit qui est sur le plateau puis qui avait envie de se coucher là. C'est elle qu'on va aller chercher. Fait que PC est prêt. Si je viens juste de demander au guide, il y a la moitié des clients qui virent d'abord à moitié chemin. Fait que, comme que Mario vient de dire, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Funny, huh? This is a good one. This is one of the harder climbs. Yeah? Yeah. It's a good Billy, and you have to work for them. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous.
Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Bon, t'es-tu prêt? Demain matin, tu t'en viens au garage, puis on est prêt à vendre des rames. Ouf! Ici, il n'y a aucun réseau. Juste une connexion avec la nature et les gens que t'aimes. Alors Thomas Marine te pose la question. Toi, on te voit quand? Fier partenaire du fabricant Prince Craft des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Zone de repos, en bordure de terrain, en velours, durant les prérutes et la chasse au panache. Votre prochain trophée vous fera signe quand il sera prêt. Avec la nouvelle Flex de Spy Point, il est plus facile que jamais de faire votre prospection de chasse où que vous soyez. La Flex de Spy Point, disponible en magasin et en ligne. La vie est archi belle. Entouré de bons amis dans un lieu qu'on adore. Verre à la main, saveur en bouche, chaleur au cœur. Le bonheur est simple quand la vie est Archibald Micro et Resto. La montagne là, 5 chiffres de ce côté-là, on a vu 7 ou 6 ou 7 de l'autre côté. Puis la grosse qu'on veut atteindre est au-dessus ici de nous autres. Fait que dans un espace d'à peu près 4 km carrés, là, il y a plus qu'une douzaine de chèvres là. Stable pareil. On est rendu à peu près à 1400 verges de la chèvre, puis on est comme un peu stocké ici. On est. L'approche n'est pas comme qu'est-ce qu'on pense en bas, fait que on sait pas qu'est-ce que ça va faire, on n'est pas sûr d'avoir une shot dessus. Là. Just one came up, there are five right now. Là, on est en train de redescendre la montagne, on est en fin de journée. Puis là, notre kid, il a vu quatre chefs de montagne, là, au bord de la montagne, à 750 mètres. Puis ici, il était peut-être prêt à prendre une shot à 750 mètres sur un beau mâle. Mais 4 ans à 5 ans. Il est apparu un cinquième qui regarde un peu plus gros peut-être. Là. C'est pour ça que le guide a pris l'arme à feu pour s'assurer que quelle grosseur qu'il y a. Still one more to come out. C'est sûr que c'est une longue shot, c'est 750 verges. Mais la position est quand même parfaite. Oui, on est bien à côté. Là, c'est le temps qui est en train de nous manquer. No, he's smaller. The biggest one still has a dirty ass. He's coming now. Mm-hmm. Oh, yeah? I see him from here. Yeah, I don't...
I don't think he's worth that shot and that fall. If he was, miss his wedding or? Yeah, if he was in a nicer position, doesn't fall really bad and get ruined, then probably we'd take the shot, but this is a bad spot. Yeah. Fait que je pense qu'on laisse tomber. On a beaucoup appris hier, parce que hier, on est parti, on a fait une approche. Il était 11 heures quand on est parti, puis quand on est arrivé, où est-ce qu'on pensait pouvoir avoir un tir, on était encore trop loin. Donc, si le même scénario se représente aujourd'hui, il faut au moins partir 2 heures d'avance pour espérer avoir un bon tir. On cherchait les chefs de montagne, mais par hasard, on est arrivé sur lui. Un beau boule mousse. Wapiti Orignal, on n'a pas de licence pour ces deux bêtes-là. Oh, il se déplace. Hey, he will come. Hey. Oh, yeah, for sure. Find me a Billy, please. Right there. These ones are easier to see. They're on the... Oh, yes. They're all nannies and kids. Là, je pense qu'ils sont à peu près 400-500 mètres d'altitude, pas plus que ça. It's a Billy? I don't know. I don't know. He was acting like a Billy, like he was off to the side. Okay. And fog's playing a major role right now. Yeah. Too much fog. Assure-toi de tes stabs. Une chose nice, c'est ça.